Bonjour et bienvenue à vous tous, mes chers amis Verseau et Ascendant, pour cette guidance générale du mois de septembre. Je vous remercie en tout cas de rejoindre la chaîne Le Voyage d'un Médium et aussi de rejoindre la communauté, la famille. Vous le savez, on est entre frères et sœurs de lumière. Donc, si vous le voulez bien, on va voir ensemble les énergies pour ce mois de septembre général, d'accord? N'hésitez surtout pas à vous abonner parce que votre richesse intérieure va s'épanouir. Croyez-moi pas, mais ensemble, laissez-moi vous permettre d'expérimenter avec moi ce ressenti. Allez, c'est parti, on y va. Gratitude à la vie, à l'univers. Merci de ton partage. Ensemble, on avance et je remercie encore une nouvelle fois l'univers, vous-même, toi-même, de ce moment magique, de ce moment présent que l'on va partager ensemble. Allez, c'est parti. Je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, que cette guidance pour tous les Verseaux et les ascendants au niveau général puisse amener un maximum de réponses ici à toutes les personnes ici présentes, toutes les personnes éveillées, toutes les personnes qui veulent progresser, passer de l'ombre à la lumière, d'être des personnes, faire de leur mieux chaque jour dans le bien et la bienveillance. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs, d'être dans le bien en permanence. Choisir le bien est la chose la plus difficile, mais c'est quelque chose de magique par la suite. Ressentez toutes les belles énergies que je vous partage en ce moment présent. Et notez dans votre cahier pré-imprimé ce tirage en 5 croix ici présent. Si vous ne savez pas encore de quoi je parle, bah, tout simplement allez dans la description en dessous de la vidéo pour vous offrir votre cahier pré-imprimé que je vous ai concocté, que j'ai fabriqué pour la communauté et pour vous-même. Bien sûr, vous pouvez aussi l'offrir à tous vos amis cartomanciens. Allez, c'est parti, on y va. On va voir la situation actuelle générale pour cette rentrée. Oh, on a la grande prêtresse. Et si tu l'as vu, elle était à l'envers. Donc la situation à l'heure actuelle de la grande prêtresse est, pour l'instant, que vos énergies sont inversées. Donc vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez à l'heure actuelle. Pourquoi ? Attends, avant de partir et de dire, oh bah, je peux rien recevoir, c'est nul, hein. Allez, je pars. Attends, sois patient. Cette lame, elle indique la patience. Et là, on va voir l'opposé, ce qui t'empêche de te réaliser pleinement. On le voit ici très clairement avec le 8 de Pentacle. C'est la désorganisation. C'est tout simplement la planification. On ne sait pas, sincèrement, hein, il y a une agitation mentale. Il y a plein de connaissances, là, on le voit, hein, plein de connaissances autour de toi. Plein de belles choses que tu expérimentes. Mais tu ne restes pas focus uniquement sur ton idée, sur ton domaine, sur ta propre niche, sur les seules personnes sur lesquelles tu veux vraiment appuyer tes connaissances. Moi, personnellement, si tu es là avec moi, c'est que tu es une personne qui en veut plus dans sa vie, qui veut progresser, un auto-entrepreneur, une entrepreneuse, une personne qui en a marre du statu quo, une personne qui veut plus dans sa vie. Au niveau sentimental, au niveau du travail,
au niveau professionnel. Il y en a marre d'avoir une petite vie, une petite sexualité, une petite... Voilà, tu en as marre pleinement de ta vie à l'heure actuelle et tu sais que tu es capable de faire beaucoup plus de choses. Et cette lame, eh ben, pour le moment, comme tu l'as vu, elle est à l'envers. Et on va voir ensemble pourquoi tu n'y arrives pas et pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Un manque d'organisation, un manque de procrastination, un manque évident de croyance en toi, j'ai concocté, j'ai fabriqué l'agenda de la réussite qui est un planificateur non daté qui te permet tout simplement de ne plus procrastiner en planifiant tes journées de façon très simple. Et là, l'organisation, ben, c'est facile. Hein. Tu auras mis tes 3 objectifs journaliers, tu les fais et après, tu peux passer à autre chose et faire ta propre vie, faire ce que tu veux. Mais la première des étapes est de faire ces 3 objectifs que tu auras notés dans cet agenda. Si tu veux en savoir plus, clique dans la description et tu verras, tout est sur Amazon. Ok ? Là, on le voit. Qu'est-ce que tu veux réellement ? Ok ? Le 10 de coupe, ta vie, elle est toute tracée. D'accord ? Ton destin, il est tout tracé. Il faut vraiment que tu crois en ça. Il faut vraiment que tu aies la foi. Ta destinée, c'est toi qui l'as choisie. Mais elle est toute tracée. D'accord ? Là, il faut que tu aies vraiment foi en l'univers. Qu'est-ce que tu veux réellement ? Une merveilleuse vie avec des enfants, un mari, un compagnon, une compagne. Une vie extraordinaire. C'est ça que tu veux. Une vie extraordinaire. Alors, choisis-toi. Choisis de vivre cette vie-là. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? La liberté, le succès ? Qu'est-ce que c'est pour toi le succès ? Une vie merveilleuse, des enfants, une progression constante, le bonheur, ok. Et tu y as droit. Tu es né pour faire la différence. Tu es né pour réussir. Et cette lame, elle t'explique. Mais elles sont toutes à l'envers. Ça veut dire qu'il y a des blocages, des choses qui t'en empêchent de matérialiser ta vie souhaitée. Manque d'organisation ? Je t'ai fabriqué l'agenda de la réussite. Tu ne pourras plus procrastiner grâce avec cet outil que j'ai créé pour la communauté, pour moi-même hein, au départ et pour mes enfants, va te permettre tout simplement de réaliser ta vie. Ok ? Le cahier pré-imprimé, c'est un cahier pour noter en permanence, pour développer ton intuition. D'accord ? Et toi aussi, par la suite, tu vas te réaliser pleinement. D'accord ? Et ces lames vont être inversées. Le résultat, c'est que si tu ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer ? Ben voilà, hein, ta vie va être désorganisée, tu ne vivras pas dans l'abondance. Hein. Ici, on voit, hein, l'abondance est un droit de naissance, tu y as droit, tu ouvres ton coffret, l'heure ici, le coffret, tout ce qui est ici, le trésor, il est là, dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Il suffit que tu ailles au plus profond de toi, d'accord, dans ton soi profond, et de ressortir toute cette belle amour, toute cette belle énergie, comme je fais avec toi dans l'instant présent. Aie confiance en toi, affirme-toi, dis les choses en pleine conscience et sois dans l'amour pour tes frères et sœurs. C'est ce que je fais pour toi. Moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu réussisses à entreprendre ta vie et que tu sois heureux, heureuse. Tu as compris ? Et en allant au plus profond de toi, en t'introspectant, en utilisant l'intelligence de ton cœur, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas faire rayonner autour de toi. Tu vas rayonner, tu vas amener de l'amour autour de toi. D'accord ? Et cette lame, comme on l'a vu, elle est encore à l'envers. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est de prendre un nouveau tournant pour toi. Si tu veux que les choses changent, il faut que la roue tourne. Il faut que tu changes, d'accord ? Personne, ni moi, ni personne autour de toi ne pourra te changer. C'est ton libre arbitre. Mais note bien cette citation que je suis en train de te dire. Très souvent, un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Note bien,
si tu veux changer, c'est toi qui changes. Et tu verras que ton monde finira par changer. Moi, je t'offre mes outils. Des outils qui vont réussir à ne plus procrastiner. L'agenda de la réussite. Tu ne procrastineras plus. Tu passeras à l'action. Et tu obtiendras différents résultats. On va voir la synthèse de tout ça. C'est ta décision. Tel le serpent, l'échelle, le jeu de la vie, les échelles et les serpents. Toi seul, décide maintenant de gérer, de contrôler tes émotions. Là, on voit que tu as choisi d'expérimenter une nouvelle vie. Tu as choisi d'expérimenter cette nouvelle perception de voir les choses, de me suivre. Tu as choisi de prendre une nouvelle direction. Bravo, félicitations, tu as choisi de changer par toi-même. Et je suis extrêmement content que tu aies choisi de suivre ce que je suis en train de te dire. En contrôlant tes émotions, en faisant attention à ne plus être autant émotif et être autant dans cette hypersensibilité, tu vas augmenter tes chances de réussite. Tu perds énormément de temps à procrastiner, à ne pas faire les choses en ne choisissant pas ta propre vie. Moi, je suis là simplement pour te guider, pour t'accompagner et te dire que c'est ta vie. C'est à toi seul de choisir. Les gens autour de toi, ils vont te critiquer, ils vont te juger, ils vont te condamner, quoi que tu fasses. Bien sûr, toi, tu as décidé d'améliorer ta vie, de t'organiser, de faire plein de choses, mais tu es multitâche. Au lieu de te focaliser que sur une seule tâche à la fois, de balayer toutes ces choses-là inutiles par la suite, tu en choisis qu'une, tu choisis être pleinement attentif sur une seule énergie. Et tu verras qu'avec le temps, en étant patient, ton succès que tu as choisi finira par émerger dans ta réalité. La première des étapes, tout simplement, est de te connecter à ton cœur. Tout est à l'intérieur de toi. Focalise-toi sur ton intérieur au lieu d'être sur l'extérieur. Si tu te focalises sur ton intérieur, l'extérieur sera projeté. D'accord ? Il faut vraiment que tu prennes conscience que le monde extérieur dans lequel tu vis, c'est ton intérieur. Plus tu seras dans cette lumière et cette sagesse intérieurement, et plus le monde extérieur autour de toi changera, évoluera. Crois-moi pas ? Teste-le, sois patiente, sois patient et tu verras que ta vie finira par changer. Mais tout commence par toi. Tout commence par toi. Très souvent, un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Offre-toi ces belles opportunités que je te présente dès maintenant pour un faible investissement. L'agenda de la réussite pour pleinement être organisé. Et être multitâche, non. Être vraiment ancré en faisant une seule chose à la fois. Un objectif, tu l'as fini, félicitations. Deuxième objectif, tu l'as fini, félicitations. Troisième objectif, tu l'as fini, bravo. Tu peux faire ce que tu veux maintenant de ta journée. Mais fais ces trois premières choses dès maintenant. Et si tu ne les as pas notées dans ton agenda de la réussite, rien ne va se passer dans ta vie et tout continuera puisque tu n'auras pas voulu changer. Alors, j'espère que cette guidance, elle t'aura parlé en ce tirage en 5 croix pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Tu en as bien profité hein, cet été. Maintenant, il est l'heure de te mettre en mouvement, de travailler sur ta propre existence. Travaille à l'intérieur de toi. Les clés sont à l'intérieur de toi. Ok. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Mais maintenant,
si tu n'as pas les bons outils, ben, les résultats ne seront pas là. C'est assez dramatique, mais c'est comme ça. Choisis de vivre la progression. Choisis de vivre pleinement ta vie. Toi seul peux prendre cette décision. Je te laisse regarder dans la description l'agenda de la réussite, le livre thérapeutique L'inconscience à la renaissance qui va être grandement utile et bien sûr la méthode tout simplement du cahier qui va grandement permettre de développer ton intuition. Pour un faible investissement, tu as ces trois méthodes, déjà ces trois outils qui vont grandement t'aider. Ciao, prends soin de toi et note bien cette citation très importante. Très souvent, un changement de soi est nécessaire plus qu'un changement de situation. Toi seul peux faire ce premier pas. Ciao, à tout de suite.